J'adorais écrire. Je crois que c'était mon seul plaisir à l'école quand j'étais petite. Bon, salut Fabienne, on est à 17h ce samedi 16 septembre. Oui. 17. Ah. 16 septembre. Non, t'as raison, on est le 17. Non, non, pas. Non, on est le 16. Non, on est le 16, bon, très bien. Donc, 17 septembre, là, chez Albert à... Ici, on est le 17. Chez Albert à Bergerac. Et alors, donc, on est un peu entouré d'une partie, l'autre partie étant au premier étage, nous sommes au sous-sol, d'une partie, d'une exposition, on peut appeler ça comme ça. Oui, tout à fait. Qui sont des lettres manuscrites par vous, qui, si j'ai bien compris, s'adresse à un certain ou une certaine Camille, c'est un monsieur, je un crois. Un monsieur, un certain Camille, Camille Carichon, très exactement. Camille Carichon. Alors, vous avez une très très belle écriture cursive, comme on dit, mais ces lettres sont agrémentées de photographies. Alors, bon, elles sont toutes datées de 2000, de l'an 2000. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi, d'où ça vient tout ça? En 2000, j'habitais 7 et je suis une passionnée des marchés aux puces, des vide-greniers. Donc j'allais tous les dimanches matins sur le marché aux puces de 7. Et un jour, là-bas, j'ai trouvé, à mon grand étonnement, j'ai trouvé un album photo. Un vieil album photo, comme on avait quand on était jeune dans les familles, vous savez, les albums en cuir, en format italien. J'en avais chez moi, rassurez-vous. Voilà. Oui, moi aussi. Et donc, je me suis mise à le feuilleter, je croyais qu'il était vide. En fait, il était plein, et ce n'étaient pas des photos de famille, c'était des photos de travail. D'accord. C'est-à-dire que Camille Carichon, il y avait aussi sa carte syndicale. Camille Carichon était cuisinier et il a été cuisinier sur des transatlantiques. D'accord. Donc, entre autres, l'île de France, ça j'en suis sûre. Et pour les autres, je ne sais pas. Donc, cet album, il y a plein de photos de... Il avait mis lui-même sa carte de syndicaliste. Oui, oui. Ah oui. Donc c'était une carte d'identité, ce truc. Oui, tout à fait. Et puis bon, il y avait derrière, à l'envers de certaines photos, puisque je les ai démontées. Donc à l'arrière de certaines photos, c'était marqué Camille et la date. Donc j'ai une date qui est 1938, qui est la date des timbres qui étaient portés sur sa carte. Sur sa carte syndicale. Et les photos étaient aussi datables, comme ça, à peu près. À peu près, c'est dans ces années-là, quoi. D'accord. Y compris la guerre, les années de guerre. Non. Je ne pense pas. Non, d'accord. Non, puisque de toute façon, le trafic, les paquebots de plaisance transatlantique ne fonctionnaient plus. Voilà. Donc je pense que c'est entre, je dirais, 30... dans les années 30, de 30 à la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Et sur... Donc, il y a plein de photos que je trouvais fascinantes, parce qu'il y avait des photos de groupe, il y avait des photos de lui, donc je ne savais pas qui était Camille, parce qu'une carte syndicale, il n'y a pas de photo d'identité. Mais donc, derrière, il y avait écrit... Voilà, c'est ça. Et puis, il y avait un tas d'indications, des petits papiers collés dessous avec Casablanca, la date, New York. Il y avait des articles de journal, parce qu'à New York, donc l'Île-de-France... Il y a dû avoir un concours du buffet
sur les différents transatlantiques qui étaient là. Bien sûr. Ouais. Et donc, ils ont gagné le premier prix. Okay. Il y a d'ailleurs une des photos qui... Oui, donc c'est pour lui, c'était important, parce qu'il était... Voilà, donc il y avait, donc, il y avait quelques articles comme ça de journal. Et c'était souvent des photos de personnes, ou bien il y avait aussi des photos de bâtiments et de paysages? Non, de... non. C'était surtout des photos des cuisiniers, donc des équipes de cuisine en train de fumer une cigarette ensemble sur le pont, à côté de la Cambuse, ou bien alors... Des collègues qui se photographiaient. Qui se photographiaient les uns les autres, et des photos de bateaux. Il y a toute une série de photos d'autres transatlantiques qu'il a pris du hublot de sa cabine, je présume. Parce que ça, ça fait, vous verrez sur certaines photos, il y a des... vous avez le rond, ça fait tout noir, et dans le rond, il y a le bateau qui passe sur la mer. D'accord. Donc c'était des photos en noir et blanc. Donc moi, j'ai tout photocopié, puisque l'idée, c'était que je puisse lui renvoyer si j'arrivais à le contacter. Est-ce que vous avez essayé de retrouver ce monsieur? Oui. Donc en fait, j'ai photocopié les 60 photos. 60 ans après. Oui, je les ai... Il avait l'air d'avoir quel âge quand vous avez vu ces photos? J'ai estimé qu'il devait avoir entre 85 et 90 ans. S'il l'avait retrouvé... Si je l'avais retrouvé à cette époque-là. Cet âge-là, donc c'était pas impossible, quoi. Non, c'était envisageable. Ouais. C'était envisageable. Et donc j'ai repeint certaines des photos que j'avais les photocopies des photos que j'avais faites, et je les ai utilisées à l'intérieur de mes courriers, ces photocopies. J'ai reconstitué tout l'album pour pouvoir le lui renvoyer si besoin était. D'accord. Et donc j'ai écrit. Sans avoir l'idée de ce que vous alliez faire avec tout ça pour l'instant. Ben, c'est-à-dire que j'ai eu envie de lui écrire. Ça m'a tellement touchée. Parce que c'est pas rien, quoi. C'était toute sa vie. Et visiblement, c'était quelque chose qui lui plaisait profondément. Mais alors, parce qu'on ne prend pas le temps de faire autant de photos. Voilà. On vous comprend très bien sur le côté émotionnel. Personnellement, ça m'a touchée. Mais vos lettres ont l'air, pas simplement de lettres « Bonjour, est-ce que vous êtes bien avec Amélie Machin ?» C'est la première. Parce qu'elles sont beaucoup plus écrites que ça. Enfin, voilà. Je dis. Donc la première, j'ai commencé à lui écrire. Et donc la première lettre, ben, je lui explique comment j'ai trouvé l'album photo. Tout ça toujours calligraphié. Oui, c'est la toute première lettre de l'exposition. Et donc, où j'ai déjà... mis des photos, et en fait je lui propose de lui renvoyer son album photo. Okay, ouais. Donc j'ai pas attendu de réponse à la première lettre, j'en ai écrit une deuxième puis une troisième. Pardon, mais cette adresse, la première adresse, vous l'aviez trouvée comment? Sur sa carte syndicale. Ah, c'était la même adresse qu'en 1930. 1938. Je me suis dit c'était la seule adresse que j'avais. Oui. Donc je me suis dit on sait jamais, c'est peut-être une maison familiale. Peut-être ses enfants vont y habiter. C'était en l'an 2000, vous n'avez pas pensé à taper sur Internet ou... Ça, je vous raconterai après. donc, j'ai écrit et j'ai continué à écrire, mais je n'ai pas envoyé les lettres suivantes. J'ai attendu le retour des trois premières lettres. Et les trois premières lettres me sont arrivées, donc fort décalées dans le temps, avec... n'habite pas à l'adresse indiquée. La mention n'habite pas à l'adresse indiquée. Merci. Et j'ai continué à lui écrire. Mm-hmm. C'est-à-dire que je lui parle beaucoup de moi. Mm-hmm. Alors je dis des choses vraies, je dis des choses pas tout à fait vraies. Pour vous, c'est devenu une espèce de... C'est devenu un confident. Un personnage de roman, quoi. Ouais, avec carrément. Lequel vous étiez... Tout à fait, oui. En cheville. Le fait que vous ne receviez pas de réponse ne vous a pas arrêté? Non. Au contraire, peut-être. Je sais pas. Parce qu'il y a peut-être tellement de photos que... Donc voilà, j'ai continué en me disant, si un jour j'arrive à retrouver sa trace ou à retrouver la trace de ses descendants, je leur renverrai l'album photo et des copies des lettres que je lui ai écrites. Vous avez... Ouais, c'est vachement bien ce que vous dites là. Et effectivement, il faut que je prenne le temps de lire de près toutes ces lettres. Vous pensez à une publication ou c'est trop compliqué?
Je ne sais pas. C'est, pour l'instant, c'est la pour première. Pour l'instant, c'est en gestation. Ouais. En expo, vous l'avez déjà fait. Oui. Oui. Et vous avez eu des retours un peu Oui, j'ai eu des retours. Ben, j'ai eu de très bons retours. J'ai eu des acheteurs et je n'ai pas voulu vendre à ce moment-là. Mmh. Et donc, c'est la deuxième fois qu'il est présenté. Et j'aime beaucoup parce que la première fois, c'est un restaurateur du Lyonnais et qui possède un très beau restaurant galerie d'art qui s'appelle Autour d'une fontaine, qui m'a demandé à exposer ses courriers. Et j'aime bien l'exposer dans des lieux où il y a des gens qui cuisinent avec amour. C'est ça. Qui aiment les produits, qui aiment leur travail. Et je trouve que ça me plaît beaucoup. Il y a les amoureux de la cuisine, ça peut intéresser, mais aussi peut-être les amoureux des bateaux de croisière. Ah oui, tout à fait, mais je veux dire que j'aime bien l'idée de l'exposer dans un lieu où on mange. Ah oui. Voilà. Parce que c'était un cuisinier, visiblement, il aimait son métier. Il y a des photos de mets qu'il a cuisinés Non. En fait, il y a la photo du fameux buffet de New York qui a été primé. Mais là, à nouveau, on a toutes. C'est des équipes. Ils sont nombreux, sûr. Ils sont fort nombreux, bien sûr. Puisqu'ils cuisinaient vraiment pour énormément de passagers. Ouais. Donc là, à mon avis, il n'y a pas tous les marmitons, il y a juste le chef, et puis donc comment cuisine, il y a le responsable des sauces, le responsable des. Enfin, voilà, toute la déclinaison d'une brigade de cuisine. Quoi, de cuisine. Et alors, il y a des illustrations qui sont de vous, personnellement ou... Non, là, je n'ai fait. Piqué dans le dans l'album. Oui, c'était pas mon but là. Enfin, je veux dire, D'accord. Je dessine, je peins, mais là c'était pas l'objet. Et donc vous disiez pourquoi pas sur internet chercher. Eh bien en fait on a cherché avec cet ami cuisinier chef. Pas là le monsieur, il a peut-être des descendants. Enfin, voilà. Hein. Alors j'ai pas cherché par le nom. Mais par contre, on a cherché par le biais des cartes syndicales, des syndicats de cuisiniers. Et bon, là, il y a eu des problèmes, parce que c'est des années où il y a des documents qui ont disparu, parce qu'il y a des bâtiments qui ont été brûlés, des archives. Et les listes d'équipage du bateau. Et bien, l'archive de l'Île-de-France, par exemple. Ça faudrait... Et le nom, pourquoi pas par le nom? J'y ai pas pensé. On n'avait pas pensé. J'ai pensé la filière cuisinier syndiqué. C'est très facile à faire, quel. Comment ça s'appelle, bottin, vous donner des noms. Oui, il y en a peut-être beaucoup en France d'ailleurs, j'en sais rien. Bah, Carichon, c'est un nom qui est quand même pas mal répandu. Et voilà, c'est ça. Et surtout dans le centre de la France. Bah oui. Alors, il y a encore matière à rechercher. Donc vous ne savez pas s'il était marié, s'il avait des enfants, et non. Non, c'est un album de travail. Il n'y a aucune référence à sa famille. C'est drôle. Aucune. Il n'y a aucune photo de famille. Non, il n'y a aucune lettre. Et le type de set à qui vous l'avez acheté, enfin sur ce vide-grenier, il ne savait pas non plus. Mais en fait, il l'avait trouvé dans une caisse, dans une maison qu'il avait vidée pour le compte de particuliers l'avait acheté. Mmh. Et vous n'avez pas essayé de remonter cette piste non plus? Ben, d'aller si. Voir ces gens, ces particuliers. Si, je leur ai demandé. Ah, si, ouais. Mais bon, donc ils m'ont donné le nom des propriétaires précédents. Ouais. Et les propriétaires précédents, ils ne savaient pas. Voilà. Ils n'avaient jamais vu ça. Enfin, non, ils n'avaient jamais fait attention. Mais par contre, ce n'étaient pas des gens de la famille. Ça ne leur disait rien du tout, les Carichons. C'est drôle, hein. Ben oui, comme quoi. Donc, vous ne savez même pas où ce type habitait, en dehors du paquebot, quoi. En dehors de cette adresse au Havre. Oui, avec le syndicat, mais il était peut-être obligé d'être là. Mais tout à fait, ça pouvait très bien être une adresse... professionnelle, enfin, d'escale, comme ça. Oui. Bon. Parce que c'était sûrement son port d'attache, mais voilà. Bon. Merci beaucoup pour ce travail vachement original. Ça donne envie de garder les albums de famille. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ça peut toujours dans servir. Un siècle. C'est clair. Merci. C'est moi qui vous remercie. Christine.
Bon, Monsieur Zanoui, bonjour, merci bonjour. De nous accorder quelques moments. Donc, nous avons fait votre connaissance, si on peut dire, grâce à Dominique, la patronne de chez Albert, qui donc abrite votre prestation d'aujourd'hui. On va en parler tout à l'heure. Mais moi, je vous ai connu parce que vous avez, enfin, Dominique m'a fait passer donc une liste que vous avez rédigée, assez émouvante et assez pleine d'empathie, enfin, puisque vous essayez de faire la liste de toutes les raisons, bonnes ou mauvaises, pour lesquelles les gens veulent écrire ou ne pas écrire, aimeraient, mais pas tout à fait, liste probablement interminable, mais enfin, vous avez fait ça avec beaucoup de soin. Et ça se termine en disant pour cela, point de suspension. Donc vous avez l'air d'aimer bien les gens comme ça, hein. Puisque, alors disons-le, vous êtes un type qui fait des ateliers d'écriture. Oui, c'est ça. Depuis 15 ans. Depuis 15 ans. Alors, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de questions à vous poser, évidemment, mais pour qui vous prenez-vous vous êtes Shakespeare, vous savez très bien écrire, vous voulez apprendre aux autres. Non, alors, je ne fais pas partie des animateurs auteurs, je fais partie des gens qui... j'ai une pratique de l'écriture, j'ai fait du journalisme, du commentaire littéraire, de la chronique littéraire et cinématographique, mais surtout... j'anime des ateliers parce que ça a été une sorte de volonté un jour qui est née de mes rapports, si vous voulez. Je travaillais dans une maison d'édition à ce moment-là et nous recevions beaucoup de manuscrits. Et j'entendais beaucoup de souffrance de la part des gens qui disaient « On ne sait pas ce que vous en pensez, vous nous répondez les... » C'était des lettres lapidaires. Ah oui, c'était vrai. Et donc, oui, c'était vrai. On reçoit c'était votre faute, des... alors vous n'aviez qu'à leur répondre. Voilà, non, mais je ne pouvais pas. Ah bon. Je n'avais pas le temps dans le cadre de mon activité. D'accord. Et j'ai fini par en rencontrer quand même quelques-uns. Et dans cette maison d'édition, on a à l'époque organisé un premier atelier d'écriture. D'accord. C'était une maison, on peut oui, dire son nom. Je préfère pas. Non, non. C'était à Paris. C'était à Paris. D'accord. Et ensuite, quand je suis revenu à Bordeaux, j'ai obliqué vers un métier de l'enseignement, où j'enseigne du français langue étrangère, français comme langue étrangère. Et là, je me suis, l'idée m'a pris de faire un atelier, sans savoir trop ce qui m'attendait, en reprenant un petit peu les ce que j'avais déjà mis en place. Voilà. Et donc, j'ai cet atelier-là depuis 15 ans. Mmh. Il fonctionne tous les mercredis soirs. Et il m'arrive d'exporter ces ateliers. Donc, vous faites ça à Bordeaux, mais vous vous déplacez aussi sur demande. Oui. Quoi. Oui, sur demande institutionnelle ou quelquefois personnelle ou des groupes d'amis. Les institutions en question, c'est quoi c'est... Des bibliothèques, par exemple. Ah, des bibliothèques. Oui, les bibliothèques sont relativement friandes. Mmh, d'animation concernant ces nouvelles. Vous n'êtes jamais allé en prison ? Oui, je pensais à la prison. Non, mais c'est vrai que beaucoup d'animateurs d'ateliers d'écriture interviennent en prison. Mm-hmm. Alors il se trouve que je n'ai pas, pour l'instant, eu le réseau. Parce que ça se fait un petit peu par hasard. Quoi. Mm-hmm. En fait, il faut le reconnaître. Je suis intervenu dans des collèges, dans des lycées. Okay. À la FNAC, je ne sais pas si on peut nommer quand même, mais c'est il y a longtemps déjà. Ouais. Voilà, qu'est-ce que on peut résumer, enfin, je ne sais pas si ça se résume, vos 15 ans d'expérience. Ce serait difficile quand même. En gros. Donc en fait, ce que je pourrais dire. Je veux dire, par exemple, vous prenez pour un médecin, pour quelqu'un qui soigne les autres ou, Non, pas du tout. Un aidant. C'est vrai que l'écriture peut avoir une valeur quelquefois thérapeutique, plutôt une valeur, j'y inclurais plutôt une valeur de développement professionnel ou d'orientation parfois, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est véritablement d'écrire, de regrouper des gens qui aiment la littérature, plus ou moins forte dose d'ailleurs, et la pratique de l'écriture. Voilà. Après, il n'y a pas de niveau académique requis, il n'y a que accepter certaines contraintes. Orthographe, par exemple ? Alors, non. Les contraintes ne sont pas orthographiques, car nous ne lisons pas immédiatement, disons, dirons-nous, ce que les autres écrivent.
Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'animateur, pendant 15-20 minutes, expose une consigne, ou une proposition d'écriture, ça permet le langage faire surgir, si vous voulez. Ensuite, les gens écrivent pendant, par exemple, sur une cinquantaine de minutes. Ensuite, les gens lisent, et là, c'est un moment, ça doit être un moment de partage. Ils lisent ce qu'ils ont écrit eux-mêmes. Voilà, d'accord. Ils lisent leur production. Ok. D'accord. Et ensuite, nous commentons. Alors après, suivant les ateliers, ces écrits peuvent être transformés. En ce moment, nous travaillons beaucoup sur Facebook. Alors, c'est-à-dire qu'on a un groupe Écrire-Écrire qui publie ces textes sur Facebook, pas tous. D'accord. Les propositions que vous faites, ce sont des propositions stylistiques, c'est-à-dire vous dites, on va faire plutôt un conte de fées, un poème. Pas uniquement. Alors ça, c'est plutôt le genre. Sur le plan, je peux utiliser, prendre un procédé littéraire, comme par exemple le procédé de répétition, d'accord, qui est honni à l'école et qui est bienvenu par contre, par exemple, dans les ateliers. D'accord. Où je peux utiliser un texte d'un auteur, une idée, quelque chose même qui est dans l'actualité, qui est présent. Je donne des conseils de rythme, de percussion, si vous voulez. C'est aussi une manière de laisser surgir, de laisser survenir quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Et c'est en ce sens que quelquefois, des gens, à la suite d'un atelier d'écriture, peuvent quelquefois soit se mettre véritablement à écrire de manière peut-être presque professionnelle, ou bien vont se décider à changer de profession. C'est arrivé. Mais c'est un processus qui est quand même assez lent, c'est pas quelque chose qui se passe comme ça. Il y a des gens qui viennent quelques semaines, d'autres qui viennent un an, deux ans, trois ans. Et donc, ce sont plutôt des, pas des contraintes, mais enfin des propositions de forme plutôt que de style ou de genre. Mais, c'est une contrainte à la fois temporelle. Donc vous allez écrire pendant deux heures chaque semaine, vous allez vous consacrer à l'écriture. Et cette contrainte, en fait, j'y mets un petit peu, j'ai essayé de diversifier un peu mes propositions pour que tout le monde puisse y retrouver un petit peu, et moi-même en particulier. Il ne faut pas vous oublier. Il faut que je continue à m'amuser, ça c'est très important. Et donc, vos clients, si je peux dire, parce que Oui, clients, c'est un bien grand mot, parce qu'en fait, je crois, à ma connaissance, à part une société qui, en France et encore, je pense qu'ils ont des difficultés, personne ne vit véritablement. Mais non, j'imagine. Ce n'est pas une activité que je conseille à quelqu'un qui veut s'acheter. Mais enfin, les gens qui sont là, je veux dire, est-ce que... Les usagers. Oui, voilà, les participants. Voilà. Oui, les usagers. Vous en faites un portrait robot ou bien c'est très très différent et... Ah non, je ne pense pas qu'on... Alors, il est arrivé qu'on me demande ça, parce que les gens qui me demandent ça... C'est pas très bon signe, parce que c'est signe qu'ils veulent plutôt des relations personnelles que de la pratique de l'écriture. La pratique de l'écriture, ça peut être absolument tout le monde. D'accord, mais c'est vous le vérifiez, je veux dire. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques constantes, peut-être un peu plus féminin que masculin, mais enfin, certaines années viennent me prouver le contraire, par exemple. Il y a des questions de disponibilité aussi, je veux dire. Pour ma part, je fais mes ateliers soit de 20h à 22h, des professionnels peuvent venir, des gens qui ont une vie professionnelle même intense peuvent venir, ou comme demain, ou dans 15 jours, le dimanche. Ah d'accord. Donc c'est toujours en dehors des horaires de travail. En fait, je peux avoir des jeunes professionnels, par exemple, dans mes ateliers. D'accord. J'y tenais particulièrement. D'accord. Et je peux avoir aussi des retraités à condition qu'ils acceptent les horaires un peu tard. Vous avez un rêve, je veux dire, vous avez des modèles, vous avez des écrivains qui vous paraissent meilleurs que d'autres. Alors, je dirais que c'est pas tant la question de savoir s'ils me paraissent meilleurs que d'autres. C'est plutôt, il y a des auteurs qui suscitent la production davantage que d'autres. C'est ça votre regard. Voilà. Après, il y a des auteurs, par exemple, que je peux adorer à titre personnel, mais que je n'utilise pas véritablement en atelier parce que
finalement, ils ne vont pas inciter les gens à produire. Ils vont plutôt bloquer que... Voilà, et c'est vrai que le modèle académique, etc., est un peu, peut être quelquefois un peu paralysant. Est-ce qu'on peut vous demander, alors, c'est quoi les modèles plutôt engageants pour les usagers ? Je vais vous donner un nom que vont vous donner tous les autres animateurs d'ateliers d'écriture. Ouais. C'est par exemple Georges Perec. Ah oui. C'est-à-dire celui qui a... Ouais. Qui a participé à l'Oulipo, qui a, avec cette idée d'inventaire. Il a un côté libérateur, donc c'est voilà, ça. Voilà. Hein, voilà. Par exemple, Je me souviens, etc. Oui, une proposition du type Je me souviens, ou les endroits où l'on a dormi exceptionnellement, où l'on a dormi une fois, ça suscite facilement, mais il y en a beaucoup d'autres en fait. C'est vrai que tous les Olympiens sont comme ça. Oui. Mais il n'y a pas que ça. C'est vrai qu'il y a d'autres aussi, d'autres auteurs. Qui vont être par leur style aussi, quelquefois. Si je travaille par exemple la répétition ou certaines formes, je vais utiliser par exemple certains auteurs en particulier. Puis bon, ma culture personnelle s'étoffe aussi au fur et à mesure. C'est ça. Quelquefois je tente comme un laboratoire expérimental. Voilà, si ça marche. Je peux avoir des réactions, trajets, je m'autorise l'échec. Hein. Je sens que quelque chose accroche, alors la tentation est grande de le réutiliser, si toutefois les participants ne sont pas les mêmes. Vous avez cité Perec et votre... vivier comme ça d'écrivains potentiels pour vous intéressants sont plutôt des auteurs contemporains. Oui, c'est plus facile, mais enfin on peut remonter à des auteurs du 19e quand même, et ça m'arrive français quand même, tous. Moi j'aime beaucoup la littérature américaine aussi. Ah oui, parce que j'allais dire en tant que FLE, vous êtes peut-être attentif aux problèmes de traduction. C'est littérature hispanique, littérature américaine ont leur place quand même dans les ateliers. Et de rapport entre les langues. Oui, ouais. J'aime beaucoup l'autofiction à titre personnel. D'ailleurs, c'est le titre de l'atelier que je fais demain. D'accord. Inutile d'en parler véritablement parce qu'il est complet depuis déjà 3 mois. Okay. Donc, le thème, c'est paysage de l'autofiction. Ok. Bon, ben merci. Un dernier mot peut-être. Qu'est-ce que vous allez faire là, tout à l'heure? Là, on va parler de la pratique de l'écriture, de notre goût pour l'écriture. Alors, c'est tout sauf une conférence, justement. D'accord. Je tiens absolument à ce que ça soit les gens qui expriment ce qu'ils aiment. Vous allez faire une présentation du truc en essayant que les gens participent aussi. Oui, oui, les faire participer le plus tôt possible. Parce que sinon, Okay. Je voudrais dire aussi une dernière chose. Allez-y. Si ça marche toujours. C'est que dans 15 jours, je fais 16 jours exactement, le dimanche 2 octobre, je fais un atelier qui n'est pas encore plein, qui est très généraliste, qui s'appelle Découverte de l'atelier d'écriture, dans un village dont je viens de faire la connaissance, c'est Causse de Clairan. Ah oui, super. Très bon. Côte-tôt. Très bien. Eh bien, on remettra ça par écrit peut-être dans le petit reportage. Merci beaucoup. Merci. Je vais appeler à tous ceux qui écrivent. À tous ceux qui écrivent, tous ceux qui écrivent dans leur coin, tous ceux qui ont, je ne vais pas me paraphraser, tous ceux qui ont envie d'écrire d'une autre femme, tous ceux qui se disent j'écrirai demain ou après-demain, ou à la retraite, ou en vacances, ou après ce week-end, quand les enfants sont grands, voilà. C'est pas une conférence. C'est véritablement, ça doit être un échange mais réel sur votre pratique ou non de l'écriture. Ça peut être aussi une lubie, un fantasme, quelque chose que vous demandez si vous allez à quelqu'un comme ça. Il y a bien quelqu'un qui... Alors, vous écrivez? Moi, j'ai déjà des réponses parce que je sais qu'ici, il y en a qui écrivent. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes dévoilé. Ah, tu pourrais parler. Oui, tu peux me tutoyer quand même. En fait, je connais beaucoup de monde là-bas. Et ben moi, j'écris mon journal intime depuis que j'ai 16 ans. Avec clé? Et en fait, on écrit tous à des moments donnés. Alors après, peut-être qu'il y a une autre écriture qui est celle du livre qu'on aimerait faire ou qu'on rêve de faire. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Oui. En fait, j'aime écrire à mes proches.
Donc je fais des courriers manuscrits, j'envoie des SMS, j'envoie des mails et j'écris à des inconnus. Donc c'est l'exposition qu'il y a en ce moment. C'est une. Je pense que. Moi, ce que j'aime dans le courrier qui n'est pas instantané, donc pas le mail où on répond rapidement, ou le SMS où on est dans une forme de conversation, c'est que quand on écrit, mais il y a le temps que la lettre arrive, la personne est là ou pas, elle va la lire tout de suite ou pas. Et il y a toujours un délai, ce qui fait que quand j'écris, j'ai un peu l'impression de m'écrire à moi-même. En fait, j'écris de moi-même, beaucoup. Et j'écris aussi beaucoup à moi-même, finalement, puisque après les courriers se croisent. Donc voilà. Et je pensais aussi à un autre élément qui est très important pour moi, c'est l'écriture des autres. Donc les livres. J'aime énormément la poésie. C'est vraiment des choses qui m'impactent beaucoup dans mon travail. Et donc c'était aussi une chose dont j'avais envie. Et en fait, dans un atelier d'écriture, on va dire, on apprend, ça va décevoir certains, on apprend avant tout à lire, mais à lire d'une autre manière. C'est-à-dire, on se dit, et moi, qu'est-ce que je pourrais faire? Peut-être pas sans la littérature, on vit avec la littérature. On écrit en même temps que la littérature. Dans la littérature, j'inclus quelque chose d'extrêmement large. Hein. C'est... Donc, une grande passion pour la poésie, et puis j'ai toujours la tête en l'air, quoi, dans la recherche de la muse, donc fait aussi. Donc la poésie pour moi c'est un cri où on parle de son enfance, de son adolescence, de son parcours. J'aime partager mes voyages, j'aime partager mes émotions, j'aime partager aussi mes combats. D'abord, j'ai écrit parce que j'ai fait des études et que j'ai donc été obligée de rendre des travaux de recherche. Donc, mais ces travaux de recherche étaient basés sur le travail que je faisais. Parce que je travaillais à Tours et j'étais dans un centre de formation, je dirigeais un centre de formation et on accueillait des primo-arrivants. Et j'ai eu un déclic incroyable, avec Amadou Empateba, avec la littérature africaine, qui était une littérature qui parle, mais qui chante, qui danse. Quand vous vous laissez emporter dans cette littérature, vous êtes là-bas, vous êtes sur le site, vous voyez des scènes. Vous sentez des émotions, vous sentez des odeurs. Enfin, ça vit, quoi. L'écriture, ça vit. Et tout d'un coup. Oui, ouais. Moi je m'appelle Lou, j'ai 16 ans. Et moi, que je me souvienne, j'ai toujours écrit dans des classeurs, dans des carnets, sur des papiers. Et j'aime énormément lire et d'incarner un petit recueil de nouvelles que j'essaye de diffuser. De diffuser comment ? De diffuser avec mes professeurs de français, professeurs d'histoire et des personnes que je connais, des amis, l'entourage. Et c'est beaucoup d'espoir et beaucoup de doutes. Mais je ne vois pas faire autre chose dans ma vie qu'écrire. Hein, je sais que je suis encore adolescente, alors je dramatise un peu tout, mais mais c'est vrai que je le sens depuis toujours, c'est en moi. Et d'ailleurs, je suis très contente d'être ici, de vous entendre tous. Et voilà, j'ai beaucoup d'espoir. Oui. Il y a un prix qui s'appelle le prix du livre pour, qui sélectionne un premier roman français. C'est local. C'est local, en plus. Faut que t'expliques un petit peu ce que... Aussi, oui, voilà, c'est un prix qui est local, donc, qui existe depuis, c'est la 6e année. Oui. Là, on va rentrer dans la 7e année. Et donc voilà, c'est le premier roman, c'est des premiers romans français. Ouais, c'est comme le Robles à Bob, pareil. Voilà. Et donc moi, j'en fais partie un petit peu du comité de lecture, donc on ne peut pas tout lire. Et il y a de très belles choses. J'ai trouvé dans une boîte à livres, et c'est le dictionnaire des clichés littéraires. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut faire quand on veut éviter les clichés. Alors, j'ai aimé cet ouvrage parce que je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi?
Ça, c'est un ouvrage de François Bon, c'est « Tous les mots sont adultes ». C'est le... François Bon, c'est la personne qui m'a donné envie de, aussi de faire des ateliers. Il fait ça en prison. Vous connaissez un peu Perrac? Oui. Oh, voilà, il y a une espèce d'espace. Et en fait, j'avais besoin de ces 30 pages pour tomber dans mon histoire. Et donc, et c'est à partir du moment où je suis tombée dans l'histoire que je ne me suis plus arrêtée d'écrire. Et j'ai fait ce roman très rapidement, en fait, en tout cas relativement rapidement. Et puis... Comment il s'appelle ce roman? Quel âme de thème? Il s'appelle « À vous dirais-je maman ». Et Toulouse m'a rappelé en me disant « Je voudrais vous rencontrer ». Et donc, il va sortir là en octobre. Alors c'est une belle aventure parce que je n'ai ni cherché, je ne l'ai pas écrit pour ça et voilà, c'est... Et là, cette année, la maîtresse a instauré un cahier d'écriture, justement. Cahier de vie, donc... Où ils peuvent écrire quand ils veulent, ce qu'ils veulent. Peu importe l'orthographe, parce que bon, voilà, qu'ils ne soient pas complexés. Et je trouvais ça très chouette. Ça peut être... Et puis, bah, petit à petit, bah, la lecture, bah, c'est devenu mon quotidien. C'est la chose que j'aime faire, la chose que je fais toujours, la chose qui me libère, me mettre sur mon lit et lire pour oublier, pour faire plein de choses. Et puis, un jour, bah, une rédaction comme ça, bah, je me suis dit, bah, voilà, faut écrire. Et bah, j'ai voulu essayer et, pour une rédaction en français. On devait décrire le personnage, un personnage qu'on admirait. Et j'ai choisi de décrire ma maman, qui m'a beaucoup aimé. Qui est là, sa maman? C'est de la à cette rédaction, j'ai été félicitée et j'ai obtenu une bonne note. J'ai eu 20. Et du coup, bah, j'ai décidé de continuer petit à petit avec des choses tellement insignifiante mais qui nous inspire comme ça. Comme, je sais pas, personnifier un stylo, qui peut être une chose tellement fantastique, ou décrire ce que l'on aime faire, ou je ne sais pas, toutes ces petites choses du quotidien, mais qui sont tellement... Sans elles, on ne serait rien. Et des petites choses comme ça, Des objets, par rapport aux objets? Oui. Aux objets, à l'entourage, à tout ce qu'on aime faire. Et bah, du coup, bah, je me suis mise à écrire. Et bah, en fait, j'aime bien, j'aime beaucoup ça. Et voilà, les petits exercices en cours de français. Et bah, voilà. Et non, c'est pas de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence. C'est un monde, c'est une unité. C'est chacun de son côté, mais tous ensemble. Il n'y a pas de... On est... Mais pour moi, j'ai très peu écrit et j'aime pas quand j'écris, quand j'essaie d'écrire juste pour moi. Par contre, j'ai écrit, j'ai à peu près tout ça de lettres que ma cousine possède, on s'écrivait toutes les deux, à peu près toutes les deux, trois semaines, on m'a envoyé des copies doubles. Parfois, il y en avait quatre copies doubles dans une enveloppe avec un seul pan. et du coup, j'ai une trace de toute mon adolescence comme ça en écrivant. Mais ça reste très factuel. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Plus jeune, oui, j'ai un peu comme toi, j'ai fait beaucoup d'échanges, c'était plus les courriers. Et maintenant, il m'arrive encore de faire des cartes postales, et ce qui étonne toujours. Parce qu'on me dit, oh, maintenant, c'est des SMS. Mais pourquoi pas, un SMS peut être... très bien écrit aussi. Du concours de l'histoire du compte de la... Bah on est en train d'écrire là. Hein. C'est... Oui, c'est vrai, ça s'écrit, ce soit un programme. Hein. Ça s'écrit un programme, d'accord. Il faut dire. Et voilà, juste écrire, ça fait du bien, même s'il n'y a pas de... Je trouve que c'est sans se poser d'une question, juste l'envie d'écrire. Pour soi-même. Si vous finissez qui a écrit de Bobin, donc, c'est ce qu'on appelle l'autofiction. C'est-à-dire, elle fait partie de l'autofiction, c'est le titre. Alors, c'est comment récupérer des fragments de sa propre vie pour en faire une autofiction.
Thank you.